Au lendemain du premier tour, place aux tractations. Dans la première circonscription de Corse du Sud, Jean-Paul Carolaggi échoue d'un rien. 13 voix le séparent de Maria Giudicelli. 4859 votes nationalistes, précieux pour le second tour. Je suis celle qui peut effectivement rassembler, y compris au-delà de ma propre famille, et donc vous l'avez bien compris, y compris avec des sensibilités et nationalistes, voire même de droite, il faut bien le dire, puisque aujourd'hui tout est possible sur Ajaccio. Réponse claire de Jean-Paul Carolaggi. Je pense qu'il n'y aura pas de consigne de vote, parce que bon, d'un côté on a un candidat républicain pour qui c'est effectivement... On ne pourra pas voter. De l'autre côté, Maria Giudicelli, elle veut rassembler, mais le soir de l'élection. Donc les discours, il faut les avoir peut-être un peu avant. Et elle représente a priori le gouvernement. Et à ce jour, les premiers signes ne sont pas très encourageants. À gauche, pour la France insoumise, Jacques Casamarta, qui obtient 6,87% des suffrages, se prononcera jeudi, après consultation des adhérents. Dans la deuxième circonscription de Corse du Sud, le candidat La République en marche, Jean-Charles Orsou, qui est arrivé troisième, n'a pas encore révélé ses intentions de vote pour le second tour. Idem pour François Orlandi dans la première circonscription de Haute-Corse. Quand on lui pose la question sur notre plateau, il répond... Je disais celui dont les positions seraient les plus proches de celles d'Emmanuel Macron, donc du mouvement En Marche. Alors j'attends, pour l'instant, je n'ai entendu ni de la part de Michel Castellani, ni de la part de Jean-Paul Fichet, un quelconque rapprochement des idées proposées par Emmanuel Macron. À qui profiteront les 5600 voix du président du conseil départemental? Le député sortant Les Républicains Sauveur Gandolfi Schett termine loin derrière Michel Castellagne. Pour remonter la pente, le maire de Bigouglia compte sur la mobilisation des abstentionnistes. Dans la deuxième circonscription de Haute-Corse, le nationaliste Jean-Félix Acquavive devance largement ses adversaires. À droite, Stéphanie Grimaldi, disqualifiée, ne donne aucune consigne de vote, tout comme Jean-Martin Mondolone qui, dans un communiqué, a tenu à remercier ses électeurs. Thank you.